Diablo Bro, c'est Fufu, encore une nouvelle vidéo sur le jeu. Voilà, j'ai enchaîné un petit peu de vidéos d'affilée, mais tout simplement parce qu'on m'a filé des petits tips. Merci vraiment à tous mes abonnés, merci à tous ceux sur le Discord, voilà vraiment. Donc un grand merci à Tsugumi, voilà, qui m'a donné la petite astuce pour passer ce bug horrible où vous avez la petite erreur, voilà, que je vous mets en image. Si vous l'avez, je vais vous montrer aujourd'hui comment on le passe. Donc voilà, imaginons, tu as fait tes deux multi, tu as ton compte, tu es content, tu veux le garder. Première étape à faire qui est très très importante, il faut le garder. Donc data transfert, je refais un petit peu ce que je vous ai déjà montré. Donc data transfert setting, voilà, comme tout à l'heure. Donc là vous avez votre ID, vous le gardez vraiment à côté. Là je tape un mot de passe, voilà, parce qu'il faut 8 caractères. On va faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi je prends un petit outil de capture, voilà, à côté, comme ça je suis tranquille pour le renoter juste après. Vous allez voir, ça va être incroyable, hein, vraiment. Donc on fait OK. Oui. Donc là, votre compte est sauvegardé. Voilà, maintenant vous pourrez le retaper. Même vous derrière, si vous voulez, vous pouvez récupérer ce compte. Enfin bref, en tout cas, moi je ne jouerai pas dessus, c'est sûr. Donc du coup, maintenant, comment on fait pour éviter ce message d'erreur? On revient à l'écran titre. Hop, on retourne. Donc là, normalement, si je reviens dans le jeu, on va même faire le test, si vous voulez. Juste avant, juste pour rigoler. Je pense que là, normalement, il devrait me le faire. Donc là, il va charger le jeu. Et normalement, je devrais me taper cette erreur. Juste comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Et on est tranquille pour la soirée, ou jusqu'à demain, ou jusqu'à qu'il règle le truc. Comme ça, on pourrait jouer, parce que franchement, c'est une horreur. Voilà, donc là, on a le fameux bug. Erreur, retourner à l'écran titre. Ok, c'est parti. Remets-moi l'écran titre, aucun problème. Nous allons le faire. Donc, nous allons dans menu. On va dans Delete Game Data. Je vais y arriver. Delete Game Data. Attention, pas data transfert tout de suite. On delete notre partie, tout simplement. Yes. Yes. Et là, attention, c'est là qu'il y a une petite subtilité. On va nous demander tout simplement si on veut refaire le tuto ou le skip. Il faut dire no. Et ne pas appuyer sur yes, mais il faut faire no. Attention, ne skippez pas le prologue. Vous faites no. Hop. Et là, on va dans menu. Attention magique. Data transfert. On rentre l'idée. Donc moi, je remets tout. Hein. Voilà, c'est sympa. De toute façon, là, je cache rien. On s'en fout. C'est un compte tout simplement... pour vous remontrer, et comme ça à partir de demain, ou peut-être dans la soirée, non je déconne, quand même pas encore dans la soirée, on fera tout simplement des petits lives pour se faire plaisir. Donc là voilà, mon compte test, il s'appelle test en plus, voilà, tu relances le jeu, tu fais start, tu acceptes tout, tu te fais plaisir, tu lances le jeu, on attend un petit peu, et la magie va opérer. Ah franchement, merci à tous ceux qui m'ont donné cette astuce, hein. Bien évidemment Tsugumi qui est venu me voir sur Discord, mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui commencent à donner dans les commentaires les astuces, mais a priori voilà, n'hésitez pas à venir vraiment sur le Discord les gars, parce que pour tous ceux qui ont besoin d'aide et tout, ils expliquent vraiment tout, ils te donnent toutes les astuces. Regardez les gars, ça y est, j'ai pas le bug, je peux jouer, voilà, là je peux tryhard, voilà, comment passer ce putain de bug d'erreur, merci à tous, voilà, ça fait plaisir, j'espère que cette petite vidéo d'aide t'aura aidé. Enfin bref, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez, peace tout le monde!